Dans la station de Serre-Chevalier, deux appareils devraient être remplacés d'ici l'année prochaine, à savoir du téléski à pinces débrayables du Cerf Blanc ainsi que le télésiège fixe 4 places du Rocher Blanc. Ce télésiège, long, lent, souvent fermé en cas de manque de neige, nécessite la construction d'un télésiège fixe plus court et plus performant. Le constructeur de ce nouvel appareil devrait être GMM ou LST. La gare aval de cette nouvelle installation devrait être située en face du télésiège fixe 4 places de la Croix de la Nord à environ 2260 mètres d'altitude. La gare amont sera décalée à gauche de celle de l'actuel télésiège en face du télésiège débrayable 6 places du ProRail. La ligne devrait quant à elle comporter un total de 7 pylônes. Ce télésiège aura pour but d'effectuer une liaison plus correcte et remplacera ces deux appareils qui auront fait 27 et 30 ans dans le domaine skiable de Serre-Chevalier. La liaison du secteur de Briançon à celui de Chantemerle vous attend pour l'hiver 2017-2018. Affaire à suivre.